Bonjour à tous. J'ai un gros problème. J'ai une partie de la platine qui s'est cassée. Et c'est une partie vraiment très très chiante à refaire. En fin de compte, c'est la partie qui s'insère sur le ressort principal. Il y a une petite fourche, comme vous voyez. Et il va falloir refaire cette pièce. C'est une pièce mobile en plus, avec un petit axe, qui est sur la... sur l'ensemble, c'est-à-dire la noix de la platine avec l'axe. Donc cette petite pièce, je vais la refaire. Ça va pas être facile, il va y avoir quand même pas mal de boulot parce que c'est vraiment le truc le plus bête qui puisse arriver. C'est cassé. Bon, j'avais eu déjà des ressorts cassés qu'on avait refait. Mais... Alors j'ai une vis, il y a toujours des trucs hein, de toute façon dans ces vieux trucs. J'ai une vis en fin de compte, il doit pas y avoir de. Il n'y a plus de pas de vis. Mais en fin de compte, ils ont martelé pour faire tenir tenir l'ensemble. Ils ont martelé ici. Ce qui fait que je tourne dans le vide, comme s'il n'y avait plus de pas de vis. Et ça tourne comme ça. Bon. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu usiner sur le côté là, et puis ensuite le faire sortir en force. Je dois avoir d'autres vis, puis on verra, peut-être qu'on refera la même chose pour le faire tenir à nouveau. Bon, il y a toujours des choses, tu peux pas simplement démonter une vis, il faut toujours faire des numéros. Ah, c'est sorti sans problème. Ça, c'est la noix, un petit peu abîmée. Faut déjà voir ça. Et ça, c'est la pièce mobile qui s'est cassée. Donc là aussi, il doit y avoir en fin de compte une sorte de goupille. C'est pas une vis, c'est assez fin. Ça s'est cassé. C'est la même pièce, mais avec cet axe qui s'insère dans la petite fourche du ressort principal. Donc il va falloir faire une pièce comme ça, c'est vraiment pas simple, parce que c'est une pièce plate, et ensuite un axe. Enfin, vraiment, c'est de l'usinage d'ajusteur, quoi. C'est l'heure de partir. Ça sort. Voilà. C'est vraiment une toute petite pièce. Donc c'est une pièce qui a un axe transversal au bout, simplement,
qui permet au ressort principal de se clamper là-dessus. Alors, il y a deux solutions. Si je le fais dans une pièce en plein tout d'une pièce avec du laminé, soit éventuellement je vais quand même essayer la méthode, je dirais simplifiée, en essayant de souder un axe et en me servant d'une lame millimétrique qui est exactement de la même épaisseur. Donc on va essayer cette technique qui va peut-être pas être de simplicité foudroyante, mais enfin ça devrait pas être mal. Bon, en fait, voilà, la pièce d'origine, ça, j'ai fait déjà le perçage. Ça, c'est la pièce nouvelle pièce. Je vais faire un perçage ici, à cet endroit-là. Je vais couper après. Ensuite, je vais ajuster à peu près la largeur. Et ensuite, on va braser, puis on va voir si ça tient. On verra bien. À tout de suite. Le problème, c'est que c'est une pièce qui est soumise à vraiment à une des plus fortes, les plus forts arrachements. C'est pour ça qu'au fond, je l'ai inséré mécaniquement. Donc il va falloir que je garde de la matière. Et l'idéal, ça serait de souder avec le TIG un truc vraiment fin. Et de toute façon, la brasure, je pourrais. C'est quand même une brasure forte. Hein. Mais. Pas mal. Ouais.
Voilà, il tourne. Petite fourchette, elle tourne sur cet axe. Donc ce que je vais faire, je vais couper ici, je vais garder un peu de matière, un peu plus grand, mais ça va solidifier. Si je coupe près de la soudure, c'est trop près. Donc je vais en garder un peu, c'est pas très gênant. On verra si on a trop, c'est pas grave. On va remonter, on va voir un peu si ça joue son rôle. Si elle n'est pas trop courte, j'en sais rien. On va voir ça. On va remonter l'ensemble. Est-ce que ça y va? Est-ce que je suis bien dedans? Le problème, c'est ça. C'est pas sûr. Ah, ça a l'air bon là. Voilà. Donc la pièce est mobile. Non, faut voir. Si ça va aller. Voilà. J'aurais bien évité de me taper ça, mais bon. Ok, donc c'est là que l'axe va se mettre. Il faut remonter le ressort principal, mais ça c'est toujours un peu complexe. Voilà, il est dans. Est-ce qu'il va bien dans l'axe? Est-ce qu'il va bien dessus? Est-ce qu'il n'est pas gêné quelque part? Bonne question. Parce qu'avec les tirs, ça fait quand même des sacrées vibrations. Il faudrait être certain que ça aille. On va continuer, on va mettre les vis. On verra après. J'aurais bien évité de me taper ça, mais bon. Ok, donc c'est là que l'axe va se mettre. Ça va peut-être faire le boulot, on va voir si ça décroche pas. On va remettre le ressort principal. Donc j'ai remonté le ressort principal. Ça a été folklorique parce que c'est compliqué, il faut mettre un petit outillage pour qu'il soit tenu, pour le monter. J'ai dû refaire la pièce en fin de compte, l'axe. Il était trop court, il m'empêchait d'insérer le ressort principal. Alors j'ai déjà remonté le ressort auxiliaire qui va obliger en fin de compte à aller sur les butées. Ça pousse sur les butées du, je sais pas si on voit bien, de la noix, de la platine.
Donc on va remonter ça tranquillement, on va voir si c'est fonctionnel. En tous les cas, ça bougera plus. Hein. Alors là, j'ai laissé de la matière. Comme c'est pas une pièce qui est faite d'un coup, quoi. Il y a une matière en plus, alors il faudra voir si je suis pas obligé un peu de creuser le bois pour pas que ça bloque. Mais je vais laisser cette matière parce que là, c'est là où il y a le plus de tension mécanique et en plus en arrachement. Donc je suis obligé de laisser de la matière. J'ai mis un peu de brasure en plus de l'avoir mis en force. C'est juste l'axe d'un vieux forêt qui me servait plus. Donc je l'ai mis en force, ensuite j'ai brasé un peu. Bon, c'est beaucoup de boulot pour peut-être pas grand chose, je sais pas. On va voir. Donc on va essayer de faire le remontage tranquille. On va remettre le dernier ressort. Enfin. Oui. On va essayer de le mettre, puis on va voir si c'est fonctionnel. Donc c'est cette platine là qui a été réparée en refaisant une pièce qui allait sur le ressort principal. Donc là on a un bon clic arrière, on a notre sûreté et hop on peut la sortir après. Celui-là, et j'ai ma sûreté, ça sort pas. Donc voilà. Je m'attendais pas à ça, c'est vrai que une toute petite pièce comme ça, j'ai vraiment un peu réfléchi pour y arriver, mais enfin, c'est pas si compliqué que ça. Donc maintenant, tout est bon. Je vous remercie.